Ravi de vous retrouver, chers internautes, sur cet événement médiatique qui vous replonge dans les faits ayant marqué l'année 2022, un rendez-vous annuel de grande portée d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue à cette causerie débat qui lance donc ce grand moment digital sur BNews. Alors, pour cette édition, mon équipe n'a pas changé, hein, la crème des crèmes, comme le disait l'autre. Anita Marcos, bonjour. Bonjour, Dani. Comment tu vas? Très bien habillée ce matin. Je te renvoie. Merci. Ange Michel Coco, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Le ça réveil va. Ce matin, comment ça s'est passé? Ça va, très bien. Lourd, mais ça a été. En tout cas, bienvenue à toi. Merci. Le seul coq de la basse-cour. Le coco, le coco. Domal Dossou, bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, Rosalie. Bonjour, Anita. Bonjour, Ange. Bonjour, Domal. Salut tous les internautes. On se retrouve encore à nouveau. Hein? Oui, c'est ça. Alors, cette année-ci, le thème est connu déjà à l'avance. On parle des jeunes filles, le luxe à tout prix. C'est un fait qui a vraiment marqué cette année 2022 à travers toute une série de feuilletons. Hein? Alors, dans un premier temps, nous allons faire un tour et avoir vos avis sur ce sujet. On va commencer avec Ange Michel Coco. Merci, Rosalie. Oui, effectivement, ce phénomène prend beaucoup plus d'ampleur et je pense que c'est dû déjà, dans un premier temps, à une perte de valeur et aussi à cet espace que prend de plus en plus les réseaux sociaux. Et ce manque de régularité ou de contrôle qu'on pourrait avoir dans les contenus à mettre ou à faire, je pense que c'est ce qui favorise beaucoup énormément plus ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, vous êtes d'avis pour ce thème qui a été choisi? Oui, nous allons bien revenir sûr en profondeur. Oui, c'est un parmi tant d'autres, effectivement, dont on pouvait, mais effectivement, qui retrace vraiment 2022, parce qu'on en a eu. Hein. Oui. Ah oui, on en a eu de toutes les couleurs. Anita Marcos? Alors, personnellement, je pense que quand une fille ou bien quand les filles se retrouvent à chercher de l'argent de façon effrénée et par tous les moyens qu'elles ont. Une vie je pense de rêve. Qu'à la base, il y a un problème d'éducation. Oui. Après, on a parlé d'ambition démesurée. Peut-être qu'elles ont des envies qui dépassent leur, comment dire, ce qu'elles peuvent leur sortir, capacité. Même leur propre capacité. Et c'est ce qui emmène les filles à avoir quand même. Nous allons revenir sur ça. Hein. Domal, bon, moi, ton avis? Je voulais aborder dans le même sens que Anita. Par rapport à l'éducation dont elle a parlé, on dit que on peut peut-être se dire que cette éducation là, ça concerne les parents, mais moi je pense que l'éducation que nous sommes en train de donner aujourd'hui à nos enfants, enfin celles là qui ont de l'ambition démesurée, mais qui aiment le luxe à tout prix, c'est une éducation qui nous a importé. Ça vient de l'Occident et c'est tout comme si tout ce qui vient de l'Occident on l'adapte à notre éducation. C'est tout comme si notre éducation, ça n'existe plus. Donc, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. D'accord. Eh bien, bon, nous allons revenir sur ça en profondeur. Alors, Ange Michel Coco, oui. Le luxe à tout prix, qu'est-ce que ça sous-entend déjà, selon toi? Oui, quand Anita et Domal parlent d'éducation, ce n'est pas faux. Mais je veux juste essayer de préciser que aucun parent ne met au monde son enfant et omet de lui donner une éducation. Ces vidéos que nous voyons, ces jeunes filles dont on est en train de parler, c'est pour la majorité, tout au moins, des mineurs émancipés. Et quand je dis mineurs émancipés, si je ne me trompe pas, elles ont au moins 16 ans. Oui. D'accord? Elles ont au moins 16 ans. C'est plus des enfants. Donc, il y a forcément un début qui a déjà été donné. Mais, je ne sais pas, peut-être il y a eu démission, peut-être, à un moment donné. Mais je dis, avec cette génération, des parents. Démission des parents, bien entendu, mais à un moment donné, on se rend compte que cette génération est beaucoup plus intelligente même que les parents. Je pense en fait que c'est un manque d'effort de cette génération, en fait. Ils sont dans le suivisme. Parce que je me dis, on peut s'auto-éduquer. Ça, en fait, ce n'est pas parce qu'on te dit,
En fait, je me dis, il y a quand même la raison. Oui. On peut quand même faire intervenir sa raison par rapport à un certain nombre de choses. Et je me dis qu'à 16 ans, c'est vrai, on va me dire peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, que oui, un enfant de 16 ans, oui, a encore besoin peut-être de l'aval de ses parents pour un certain nombre de choses et tout, mais pas pour tout. Ta propre image. On n'en est peut-être pas conscient, mais je me dis quand même qu'il ne faut, faut pas qu'on mette tout systématiquement à 90% sur le dos des parents. On va faire du 50-50. Parce que ce n'est plus des enfants. On ne les nourrit plus à la cuillère. On ne les nourrit plus à la cuillère. C'est de grands enfants. C'est de grands enfants qui peuvent quand même être à même de pouvoir faire prendre la part des choses entre des ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qui me met en valeur, ce qui ne me met pas en valeur. Ce qui vient exposer ma famille, ce qui ne m'expose pas. Donc, pour moi, oui, l'éducation, c'est vrai. L'éducation est vraiment primordiale. Oui, vraiment. Parce que j'avais parlé de perte de valeur. Oui. Parce qu'on vous a forcément inculqué quelque chose, mais c'est passé par où? C'est vrai, vous allez à l'école, on est au contact d'autres personnes, mais ce que tu as reçu en fait à la maison, on ne s'éloigne pas de ça. Donc, il faut que les jeunes essaient, comme le disent certaines personnes, oui, oui, qu'ils essaient de doser un peu. Alors, Anita Marcos, doit-on vraiment indexer les parents? Bon, quand je parlais d'éducation, il ne s'agit pas que des parents. L'éducation, il y a l'éducation. À l'école, on éduque aussi les enfants. Maintenant, je pense qu'il y a la mauvaise influence du dehors. Il y a les mauvaises amitiés, les mauvais conseils. Quand tu vois, quand tu es dans une école en trif, où il n'y a que des enfants de riches, et que toi, tu as peut-être d'un milieu un peu plus modeste, que tu as envie de faire comme eux, ou bien qu'eux, ils vont à des fêtes ou des teufs, des booms, comme ils disent, et qu'ils t'emmènent. Que tu vois que tu es peut-être différent comme des autres, tu as envie de faire comme eux. Et forcément, tu vas passer par les mauvais moyens. Et c'est moyens à partir de là. Voilà, l'éducation ne concerne pas que les parents. Oui. Il y a le dehors, il y a la rue, il y a les amis à l'école. Il y a la responsabilité de l'enfant aussi, qui, à partir d'un certain âge, comme je l'ai dit, doit pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Mais après, aujourd'hui, il y a des parents... Démissionnaires. Il y a des parents qui... Il y en a tellement, Anita Marcos. Il y a des parents qui n'inculquent pas les bonnes valeurs non tellement. Plus. Oui, il faut qu'un parent soit exemplaire pour que l'enfant puisse quand même retenir ou intégrer ce qu'il lui apprend et en partant de là, voilà. Être un modèle dans la société, ne pas vouloir ce qui est plus grand que lui. Domal, c'est clair aujourd'hui, il y a certains parents qui ont vraiment démissionné. Les parents ont toujours démissionné. Oui. Les parents ont toujours démissionné. Parce que je ne peux pas accepter que mon enfant revienne à la maison avec un portable, par exemple, avec un iPhone, alors que je sais qu'elle ne fait rien. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit les parents ont toujours démissionné. Si aujourd'hui, je le dis et puis avec certitude, que si vous voyez quelqu'un des années 50-60, celui-là qui a été à l'école, qui a réussi, qui est aujourd'hui peut-être un grand cadre quelque part, allez lui demander, comment est-ce qu'il a réussi? À cause de quels parents il a réussi? Si ce n'est pas la maman qui s'est échinée à vendre des poulets, à vendre des bois et consorts, beaucoup de papas ne s'intéressent même pas à ce que les enfants aillent à l'école. Ça ne les intéresse pas. Pour nos papas, c'est de faire des enfants, d'avoir beaucoup de femmes et de faire des enfants. Ça ne les concerne pas. Aujourd'hui, quand moi je parle d'éducation par rapport à ce que Anita a dit, je n'indexe pas directement les parents, mais j'indexe plutôt le pouvoir public, le pouvoir d'État. Ah, et pourquoi? Le pouvoir d'État, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile. Je dis bien, il est très difficile à un parent aujourd'hui d'écarquer les yeux ou bien de frapper un enfant. Parce qu'il a fait, s'il a fait ça, vous allez encore tomber sous le feu de la loi. Et le coup de la loi, là, ça freine. C'est tout comme si on fait du copier-coller. Tout ce qui se passe dans l'Occident, où aujourd'hui on ne peut pas ramener tout ici. On ne peut pas ramener tout ici. C'est-à-dire que nous avons nos valeurs qu'il faut défendre. C'est-à-dire que nos députés à l'Assemblée doivent pouvoir faire les lois par rapport à la protection des enfants, en tenant compte de nos valeurs. De notre contexte. Sinon, c'est tout comme si on ne peut pas écarquer les yeux sur un enfant, on ne peut pas frapper un enfant, même si à 16 ans, qui parmi ces députés, femmes ou hommes, à 16 ans, ont eu à faire des bêtises et qui n'ont pas été battus, qui n'ont pas été redressés.
Aujourd'hui, c'est eux qui donnent la voie libre à tout le monde, comme quoi on peut faire ce qu'on veut et on ne peut pas être inquiété. Ce qui fait que, ramener ses enfants à maintenant, il a encore un autre aspect, c'est que aujourd'hui, quand la jeune fille, enfin celle qui est maman aujourd'hui, était jeune fille, quand sa maman préparait, elle était où? Elle était à côté. Mais aujourd'hui, quand elle prépare, son enfant est où? En train de regarder dans son portable pour voir, soit tout ce qui se passe sur TikTok, sur les différentes places, les différentes plateformes et consorts, ça donne envie à l'enfant d'être libre, complètement libre dans sa tête. Tout ce qu'on regarde à travers nos médias, les différents médias, donne la liberté totale. Les télé-novelas. Voilà, ça donne la liberté totale à l'enfant. Et elle se dit, bon, je dis elle parce que c'est souvent les femmes, les jeunes filles, elle se dit, j'ai la latitude de faire ce que je veux, mon papa ne peut rien me faire, maman ne peut rien me dire. Et puis, alors, bonjour les dégâts. Parce que moi, dans la rue, je vois des filles qui portent ce que vous appelez le ventre dehors, elles sont. Mais il y a certaines filles qui ne quittent pas la maison en s'habillant de. Il y a ça, c'est là qu'on parle de la rue. Oui, on parle de la rue. Parce que sinon, il y en a qui sortent de la maison comme ça, les parents les voient, mais ils sont fiers de voir leurs enfants sortir parce qu'ils se disent qu'ils sont à la mode. Anita, Rosalie, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un enfant qui ne s'est pas habillé à la maison, mais au dehors, on a vu qu'elle s'est habillée de façon un peu extravagante. Est-ce que vous savez qu'avant, parce que moi je suis peut-être un conservateur, est-ce que vous savez qu'avant, un ami d'un parent, de ta mère ou bien de ton père, qui te voit en ville faire des bêtises, peut te frapper de la ville jusqu'à la maison. Peut te ramener à l'ordre, avec droit. Avec droit. Oui. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui est l'aîné de la famille peut prendre la décision de punir tout le monde dans la maison. Bien sûr, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Sans réaction même de la maman. Tout mais aujourd'hui, l'aide de la famille ne peut pas frapper. Non. Sa petite sœur, on le lui interdit. C'est ça. Je ne demande pas qu'on fasse la promotion de la personne. Non, je suis d'accord. Mais il faut quand même que nous ayons une certaine valeur. Bien sûr. Qu'on retrouve les anciennes valeurs. Sinon, ce qu'on est en train de voir là, d'ici 2030 ou 2040, les filles vont sortir en maillot de bain. C'est pas seulement. Alors, Ange-Michel, toutes les filles, il y a certaines filles qui se retrouvent dans ces pratiques par obligation. Hein. Oui, il y en a qui sont obligées. Oui. Elles sont obligées parce que, on parlait tout à l'heure des parents démissionnaires. Oui. Parce que, en fait, le niveau de responsabilité est crescendo, en fait. Il y a l'État, il y a la famille, il y a soi-même, il y a l'école, il y a beaucoup. Les niveaux, c'est palier par palier. Et à certains, je prends l'exemple que Domal a donné tout à l'heure. Quand une fille peut avoir la liberté de sortir de chez elle dans une certaine tenue, sans que les parents ne puissent parler, ça veut dire que cette fille-là... Et à des heures tardives aussi. Elle peut sortir à des heures, il n'y a pas de couvre-feu. Elle rentre à n'importe quelle heure. Voilà. Je suppose par exemple le parent démissionnaire. C'est pour ça qu'on nous demande aussi de... Quand on dit de limiter nos naissances, les gens ne comprennent pas. Faites ce que... pas dans ta logique. On va la laisser aller au bout de ses idées. Allons-y. C'est que allons sur ce que nous pouvons gérer. Tu fais 4 enfants, mais tu peux vraiment éduquer et pousser vraiment deux. Te concentrer sur... Ça voudra dire que les 2 premiers que tu aurais pu pousser, peut-être jusqu'à la majorité, tu ne le fais pas. Et déjà à 16 ans, tu les laisses à eux-mêmes. Parce que ces enfants ont eu la chance peut-être d'avoir un BPC ou un CAP entre-temps. Et très tôt, ils ont commencé par faire de tout petits jobs pendant les vacances. Et l'enfant, facilement, arrive à apporter, par exemple, un petit 10 000, un petit 20 000 à la maison parce qu'il fait de petits stages, de petits jobs à côté. Et là, automatiquement, la maman ou le papa ont dit « Ah, tu n'as rien là à me donner. Tu n'as rien là à me donner. » Et c'est fini, on commence déjà par responsabiliser cet enfant. Oui, mais cet enfant n'a que 16 ans en fait. Il n'a que 18 ans. C'est beaucoup trop court. 2 ans après, 16 ans, 2 ans après, aujourd'hui il donne 5 000. Aujourd'hui peut-être il donne 2 000. Demain il va donner 5 000. Après demain il va donner 10 000. L'enfant commence maintenant par grandir plus tôt qu'il ne devrait. Les 2 petits sont derrière. Mais entre-temps, ces 2 que tu pouvais
c'est de deux que tu pouvais t'occuper. Et ces enfants commencent pas à se responsabiliser de façon très prématurée. Donc, lorsque les parents... Et là, le parent se dit, bon, Ekosu, il est déjà grand. Mais non, je suis désolée. Ton enfant n'est grand que minimum à 21 ans. Quand peut-être il a passé le bac, ou tout au moins la licence, où il peut avoir vraiment un bon salaire par les temps qui courent aujourd'hui. Mais quand le parent déjà commence déjà par mettre toutes ses charges sur le dos d'un enfant, mais c'est clair qu'à un moment donné, quand il n'aura plus les petits jobs qu'il a pu avoir de façon correcte, il va commencer sur le chemin de la facilité, fille ou garçon. C'est pourquoi aujourd'hui, on rencontre par exemple des jeunes filles de 18 ans qui sont peut-être à 2 ou à 3, mais qui louent. Oui. Elle n'a pas le choix parce qu'elle est... À leur risque, parce qu'on a eu ses filles qui ont perdu. Elle a trop de charges. Les charges dépassent son âge. Et puis, systématiquement, à 20 ans, elle réfléchit et dit, ah, Novitch, il est le goût aussi. J'ai mes petits frères derrière. Mais ce n'est pas ta responsabilité. Tes parents sont là pour ça. Alors, bah oui. Anita, ne doit-on pas inculquer déjà certaines valeurs aux enfants dès le bas âge? Oui, dès la dignité, l'estime de soi. Mais après, on peut inculquer certaines valeurs dès le bas âge, comme tu dis, mais il faut un suivi. Parce que tu inculques à ton enfant la dignité, la morale, il faut être correct, il ne faut pas avoir de l'ambition et tout. Mais tu n'es pas tout le temps avec lui partout où il va. Tu ne sais pas qui il rencontre, tu ne sais pas qui il croise, tu ne sais pas ce qu'on lui dit, tu ne connais pas cette tendance. La société joue un grand rôle. La société influe énormément. Et donc, je pense que, mis à part le fait d'inculquer les valeurs, il faut leur donner le sens de responsabilité. Il faut qu'ils puissent faire la différence instinctivement entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Et c'est ça qui est difficile. Parce que quand une maman envoie son enfant, il y a des mamans, excusez-moi, qui sont fières, hein? Qui non seulement sont fières, mais qui encouragent leur fille à sortir avec des gens, avec des hommes riches, pour que toute la famille soit à l'aise. Vous imaginez un peu, une maman qui fait ça, elle peut inculquer quelle valeur? C'est pourquoi moi, je voudrais même poser une question. C'est-à-dire que qui a dit aux jeunes filles d'aujourd'hui que chaque fois qu'un homme leur fait la cour, elle devait en même temps une prise en charge? C'est la réalité aujourd'hui. Je pense que ça, c'est une reprogrammation en fait qu'on doit faire. Et puis, ça doit commencer peut-être au bas âge. Et puis, inculquer aux filles en fait que un homme qui t'aime, c'est pas à travers l'argent qu'il va te donner, qu'il va prouver en fait qu'il tient à toi. Parce que, au contraire, j'ai un ami qui dit très vulgairement, il dit, lorsque je te fais des avances et que systématiquement, quelques jours après, tu me demandes de l'argent, ça dépend du montant. Je regarde mon téléphone, je dis, schéma, elle a dit. Et à ce schéma, il y a un comportement qui suit avec. On ne nous demande pas. Toutes les jeunes filles, les jeunes filles qui demandent de l'argent, qui ont de l'ambition, vous allez constater qu'elles ne restent pas sur un seul homme. C'est-à-dire que en moins de six mois, elles ont déjà changé plusieurs. Cette affaire d'ambition là, développe tes vices. Alors, Domal, quelles sont déjà les conséquences? Nous irons un peu plus vite. D'abord, avant de parler des conséquences, moi je voudrais dire à nos jeunes filles aujourd'hui, parce que vous savez, peut-être que ton papa est un artisan, quelqu'un qui gagne à peine 2 000, 2 500 par jour. Ta maman vend peut-être les beignets ou bien la bouillie. Et on te voit porter sur ta tête des mèches de 600 000. Je ne vais pas même exagérer. Mèches de 90 000, 150 000. Avec un portable qui coûte minimum 150 000. Et tu ne travailles pas. Avec le prix de la mèche et le prix du portable, tu peux déjà te créer un petit commerce. C'est ça. Et avoir dans 6 mois, dans 2 ans. Ce que tu as envie d'avoir pour toi. Maintenant, pourquoi avoir cette ambition aujourd'hui, tout de suite? Il y a des gens qui n'ont aucune vision devant. C'est-à-dire que pour elles plutôt, demain, on ne sait même pas si je vais gagner de l'argent. Mais on se lance dans la bataille. On vit au jour le jour. Conséquence là. C'est les maladies d'abord. Mais MST. Cette maladie, c'est seulement 30. Conséquence, c'est que tu as une jeune fille de 18 ans ou bien de 20 ans,
mais on peut compter au moins 21, disons 41 hommes dans ta vie. Des chiffres très expressifs en plus. Oui, dans notre culture. Dans notre culture. Alors, quand on dit 21 hommes, elle vient sortir avec toi, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Quand on dit 41 hommes, elle vient sortir avec toi, toi-même là, tu ne t'appartiens plus. C'est quand ça. Tu parles même là, tu ressembles à une folle. Ce sont les conséquences ça. Les conséquences, c'est que quand tu vas faire ta vie de cette manière-là et que tu vas peut-être un jour te caser avec un homme, tu seras jamais, cette fille ne sera jamais satisfaite avec cet homme-là. Ah bon? Oui, bien sûr. Puisqu'elle a déjà eu le temps de faire tellement de choses. Il y a pas mal de comparaisons. Oui, oui. Et au finish, cet homme-là ne pourra pas la satisfaire. Ouais. Et parce que cet homme ne pourra pas la satisfaire, sera plus fidèle, elle ne sera plus jamais fidèle. Mmh. Et ce sont les conséquences de l'infidélité aussi, ça existe. Mmh. On parle de conséquences aujourd'hui de ta débauche, de ta vie de luxe que tu veux avoir, mais les conséquences plus tard seront quand même désastreuses. Ange Michel, il y a encore des conséquences en plus. Oui, moi je vais beaucoup plus. Plus dangereux. Hein. Domal a déjà abordé pas mal, mais moi je vais aller énormément sur le côté émotionnel et psychologique. Lorsque tu es une fille qui très tôt déjà a connu, l'acte sexuel et avec plusieurs hommes et tout, déjà, et spirituel aussi, il y a cet échange d'énergie. Comme il a dit, tu n'es plus responsable de toi-même, tu ne t'appartiens plus. Il y a cette instabilité émotionnelle qui va s'installer en toi et tu deviens un peu la risée de toi-même. À un moment donné, toi-même face au miroir, tu ne peux pas te regarder en face. Et une autre conséquence aussi, c'est... Elles n'ont pas rondin. Ta sociabilité. Non, dommage, j'ai même l'impression que... On te pointe le du fait doigt. D'être éhonté, c'est à l'extérieur. Mmh. Mais à l'intérieur, entre les quatre murs à la maison, c'est une autre réalité. Oui, oui. C'est carrément une autre réalité. Donc, il y a ta sociabilité. Tu as eu un nom. On t'a connu un temps. C'est pas très reluisant parce qu'il y a ta progéniture, il y a toute une famille derrière. Et donc, il y a cette stigmatisation psychologique que tu vas subir d'une manière ou d'une autre. Mm. Tu auras beau dire, je m'en fous, c'est ma vie et tout. Ça va tout mais nous sommes en Afrique et le cocon familial, il compte pour beaucoup. D'accord. Anita Mbakusso, il y a d'autres conséquences plus dangereuses. Hein. Oui, je pense qu'on a retrouvé des filles décédées. Il y a des conséquences plus dangereuses. Oui, quand on parle, si tu parles de décès, je fais tout de suite le lien avec l'état psychologique après. Oui. Maintenant, là, tout de suite, moi, je voudrais parler des grossesses indésirées. Les grossesses précoces qui emmènent des filles à aller avorter. Les avortements. Et puis, la conséquence la plus grave, c'est le décès, quoi. Les avortements. Le décès. Parce que quelque part, tu es allé choper une grossesse que je voudrais vous raconter une petite histoire rapidement. Oui. J'ai rencontré une dame. J'ai dit bien, elle est une dame de la cinquantaine. Mais j'avais fait une vidéo sur le tatouage. Et j'avais dit dans ma vidéo que toutes les femmes qui font tatouage, à 98%, sont des putes. Enfin, c'est ce que j'ai... C'était dans le c'est commentaire. Ce que j'ai... Oui. Non, j'ai dit ça, parce que les 2%... En griffe. Ouais, non, je l'ai dit. Et elle m'a rencontré à un carrefour, elle m'a dit, moi, je ne suis pas une pute, mais je regrette d'avoir fait des tatouages. Mm-hmm. Qu'est-ce que je ne veux pas qu'est-ce dire? Qu'est-ce qu'il a poussé jusqu'à... Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, il y a une plateforme qu'on appelle TikTok. Mm-hmm. Et pour avoir beaucoup de vues, il faut se mettre nu. Ah, bon. Ah ben ça oui. Avait commencé sur Instagram avant. Il faut se mettre nu. Ah bon. Beaucoup de filles sont nues sur TikTok. Elles sont prêtes à tout. Elles dansent, elles se mettent en maillot de bain. Enfin, il y a beaucoup de désordre. Mais les gens ne savent pas que nous sommes en Afrique et que toutes ces images-là sont archivées. Oui. Ça peut retomber, malheur même à cet homme-là qui va rencontrer le chemin de cette fille, puisque l'homme-là ne sera jamais heureux. Ça peut même empiétrer sur une carrière professionnelle. Oui. Parce qu'on va te ramener des images que tout ce que nous faisons aujourd'hui, demain... Tu ne peux pas faire une carrière politique, par exemple. Bien jamais. Sûr. Amen. Avec ça. Oui, il y a une fille qui a été refusée du barreau parce qu'elle avait sorti... elle avait fait une vidéo TikTok et le monsieur lui a dit non, on vous suit, on vous a vu, vous avez fait une vidéo. Tal. Elle a fait Bac plus 5, elle a passé... Oh là là. Tu peux même avoir Bac plus 20. Quand tu as fait des désordres dans ta vie, sans passer la rattraper. Oui, à certains métiers, c'est pas évident. Ça va pas le faire.
pour l'authenticité de votre image, à votre poste. Le métier de TikTokeuse. Oui. Ça ne passe pas. Pensez-vous réellement qu'on puisse en finir avec ce phénomène d'un jour? Je pense d'ambition démesurée de cette jeune fille. Ça pourrait être possible si la jeune génération décide de vite prendre conscience. Ce n'est pas impossible. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. S'il y en a qui ne le font pas, ça veut dire que c'est faisable. Ça dépend. Et je pense que le terme ambition doit être revu parce qu'avoir de l'ambition, ce n'est pas forcément avoir tout quand on ne peut pas. C'est travailler pour être meilleur. C'est d'abord ça la première ambition. Pour atteindre son objectif. Pour atteindre un objectif, mais vraiment grandissant pour soi. Donc, tout le monde se cache derrière ce mot ambition, ambition. Ce n'est pas mauvais d'être quelqu'un d'ambitieux. Il faut être ambitieux dans la vie, mais il ne faut pas aller au-delà. Parce que quand tu n'es pas ambitieux, tu ne grandis pas, tu n'évolues pas. Tu n'es pas challengé. Tu es même bête. Voilà, tu n'es pas challengé. Mais il faut qu'on revoie, il faut vraiment revoir la connotation du mot ambition pour les jeunes. Oui, vraiment, c'est important. Il faut avoir des ambitions saines. Oui, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, je pense qu'il faut avoir des ambitions saines. Il ne sert à rien de vouloir être ci, de vouloir être ça, mais de passer par les couloirs, les mauvaises pratiques, et puis après se retrouver avec une réputation qui ne t'emmène nulle part, au contraire, qui te limite, qui te casse, qui fait que, en fait, tu ne peux plus rien faire. Quoi. Tu es sur place, et puis tout le monde évolue autour de toi. À la limite, ça développe un sentiment de jalousie, d'aigreur, alors que tu es responsable de ta situation. Quoi. Alors, Domal? Moi, je dirais plutôt que tout le monde doit avoir de l'ambition. Quand vous n'avez pas de l'ambition, vous ne pouvez pas évoluer. Mais il faut avoir un type d'ambition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai peut-être 16 ans, je veux devenir médecin. Mais je travaille pour. C'est de l'ambition. Bien sûr. Je vais devenir demain peut-être président de la République. Je vais travailler pour. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que je vais commencer. Il faut travailler pour être fier. Voilà. Fière, maintenant, si je dis je vais gagner de l'argent, je vais avoir forcément de l'argent. C'est là où il y a un petit nœud. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut gagner sainement sa vie pour avoir de l'argent. Mais si c'est coucher avec plusieurs hommes pour avoir de l'argent, c'est le prix de l'ambition. Oui. Je veux bien placer. Si c'est faire gagner pour avoir de l'ambition, ce n'est plus de l'ambition. Alors, cher ami chroniqueur, je veux bien passer plus de temps avec vous. Hein. Les techniciens me font déjà de grands gestes. Je vais vous laisser quand même donner vos petits mots de fin. Merci, Rosalie. Oui. Si moi j'ai un mot à dire à cette jeune génération, à ces filles, ayez de l'ambition, mais ayez de l'ambition avec de belles valeurs. Vous êtes des femmes, vous êtes des mères à venir. Soyez belle depuis l'intérieur. Et les réseaux sociaux, faites très attention. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais maximum à 10-15%. Ne vous leurrez pas. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Anita, alors, je pense que, en mot de fin, je vais exhorter mes sœurs à avoir des modèles. Parce que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons des modèles dans la société, que ce soit au Bénin ou que ce soit au plan international. Il y a des femmes qui ont réussi. Et puis, quand tu suis leur parcours, tout leur parcours, tu te rends compte que ce sont des femmes qui ont travaillé, qui se sont donné les moyens, qu'ils soient psychologiques ou autres, d'aller à leur objectif. Je pense que quand on a un modèle et qu'on aime vraiment la personne, qu'on l'admire, qu'on l'apprécie, on peut se donner les moyens de faire comme elle, même de faire mieux. D'accord. Domal? Moi, je vais plutôt demander à nos autorités politique, de faire tout possible pour cadrer un peu l'éducation que nous donnons à nos enfants. Aujourd'hui, un parent ne peut plus se lever et éduquer seul son enfant. Il y a l'éducation à l'école, il y a l'éducation de la rue, mais il y a également le fait que le pouvoir en place peut cadrer. Aujourd'hui, sur nos télévisions, est-ce qu'il y a des émissions de divertissement qui concernent rien que les valeurs culturelles, les valeurs africaines, les valeurs béninoises? On doit plus se pencher sur ces genres d'émissions. Et voilà, il faut même. Moi, je suis un décideur, j'ai interdit par exemple Novelas. Je suis sérieux, j'ai interdit. Voilà, on n'a pas. Non, mais je dis. Ou soit mais TikTok est beaucoup plus dangereux que Novelas. Le TikTok sera la première, ça sera interdit.
On a compris. Alors voilà, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Chers Conécans, on se retrouve l'année prochaine pour la quatrième édition. Et bonne fête à vous par anticipation. Merci. C'est la fin. Merci pour votre attention et surtout restez câblés pour la suite de l'événement sur BNews. Bye. Ah, Madjoum. Madjoum. Bien, bien, bien.